j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau type de vidéo, c'est de retester les produits que je n'ai pas testés depuis très longtemps. Donc, voire même le fond de teint, je prends un risque parce que je crois qu'il est peut-être plus valable. Mais bon, des produits que je n'ai pas testés depuis longtemps, du moins. J'ai essayé de trouver quelques produits vraiment que j'ai pas été testé avec vous. Et je pense que même que j'ai jamais testé avec vous depuis que j'ai commencé ma chaîne. Donc, je vais me coiffer. Alors oui, j'ai été chez le coiffeur. Et du coup, bah en fait, comme vous voyez, elle a dû me faire un diamond assez costaud. Parce que en fait, mes cheveux avaient vachement jauni. Donc là, j'ai l'air peut-être un peu grise. Mais en fait, c'est surtout du violet, quoi. C'est pour neutraliser tout simplement le jaune. Donc après, d'ici quelques shampoings, elle m'a dit que ça allait disparaître. Et je verrai comment ça va donner. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est assez foncé. Je me préfère blonde. Donc voilà. Alors, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Nous allons commencer par ça. Ça n'a fait pas longtemps que je... Voilà, ça fait très peu de temps que je l'ai utilisé. Mais j'ai voulu quand même le mettre parce que c'est un essentiel pour moi. Et je peux pas commencer mon make-up sans bourrer ma veine. J'ai toujours pas ramené de sopalin dans ma petite salle là, dans ma petite... C'est pas grave, on va faire ça avec un coton. On va y arriver à finir nos phrases. Pouf! Je fais un rododo comme d'habitude. Un rododo. Et voilà. Donc nous allons préparer le teint avec un produit que je vous ai déjà présenté, je crois, en tout début de ma chaîne. C'est le produit de chez Milk, le Hydro Grip Primer, que j'aime beaucoup, ma foi. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon, on dirait pas parce qu'il n'a pas été fortement utilisé. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il a cette texture un peu, bah voilà, vous voyez, totalement gélifiée, qui est très fraîche, qui va contrôler l'excès de sébum. C'est pas que j'en ai beaucoup, hein, mais c'est une base qui va totalement hydrater la peau aussi. Donc, j'ai toujours bien aimé ce... Mais peut-être le bémol que j'ai avec ce produit, alors que ça me dérangeait absolument pas à l'époque, c'est qu'en fait, il colle à fond les ballons. C'est le Hydro Grip. Donc, je pense que, voilà, c'est normal. Hein. Voilà, je le fais pénétrer un peu plus pour pas que ça grippe trop. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Base adhérente. Franchement, il y a ce produit, il est sublime, surtout si vous avez la peau qui a du mal, enfin si vos fonds de teint ont du mal à tenir sur votre peau sur le long terme. Franchement, foncez parce que il est tip top. Donc voilà. Maintenant, voilà le produit. En fait, c'est un produit que je me rappelle quand je l'ai acheté, il y avait zéro avis sur YouTube sur ce produit. Alors, c'est vrai que ça m'a un peu saoulée. Donc, c'est le make-up. Bon, donc, ça vient de chez Milk. C'est Sunshine Skin Teint, je pense. Teint rayon de soleil. C'est un SPF de 30. Et voilà. Donc, c'est un fond de teint de ma mémoire qui est assez hydratant, je crois, si ma mémoire est bonne, mais qui tient vraiment sur le long terme. Je me suis posé la question si je sortais celui-là ou si je sortais le Watertone.
Mais comme celui-là, il y a, j'ai pas, je sais pas s'il y a des avis maintenant, j'avoue. Mais vraiment, je me suis dit, bon, on va quand même tester celui-là. Donc, vous voyez, vous avez en fait cette base. Bon, c'est pas très, c'est pas très ragoûtant en fait, ce truc. Je trouve que c'est pas très hygiénique. Mais si vous voulez que ça soit plus hygiénique que ça, vous en prélevez sur votre main au lieu de le mettre directement sur votre peau. Mais moi, j'avais commencé par le mettre directement sur ma peau. Je vais légèrement le nettoyer, mais léger, quoi. Je sais même pas si la teinte, elle est bonne en fait. C'est vrai que c'est pas très hygiénique, je trouve. Voilà. Bref, j'ai fait un peu comme j'ai pu, ma foi. J'ai à peu près nettoyé, mais bon, c'est pas. Alors, si dans mes mémoires est bonne, il faut cliquer. Voilà. On clique là. Pour pousser. Voilà. Et le produit sort. J'espère que vous verrez bien. Et nous allons l'appliquer. Ouais. Là. Je ne vais pas trop en charger quand même. Même si j'ai l'impression que je charge. Écoutez, il doit être encore valable parce qu'il sent bon, ma foi. On va voir. Mais voilà, c'est un. Ça se, et c'est rechargeable. C'est vrai que c'est un des points positifs. C'est totalement rechargeable. Donc vous cliquez ici. Et vous le prenez de la façon que vous voulez. Pinceau propre. Et c'est parti. Alors, attendez. Vous savez quoi? Au lieu de me pencher comme une. Alors, j'essaye de me mettre bien devant vous parce que souvent je mets le miroir comme ça et vous ne me voyez pas. Donc je suis là, putain, quelle godiche. Alors ça a une couvrance légère. Ça a une couvrance légère, j'ai même pas envie de dire moyenne parce que c'est très léger. C'est pas du tout une couvrance moyenne. Je pense que ça peut être modulable. Regardez, je me rapproche un petit peu plus près de. Je l'ai mis. Ça, j'aurais dû mettre d'un côté le fond de teint et de l'autre pas de fond de teint, mais j'y pense jamais. Je vais essayer de le moduler légèrement. Vraiment pour voir ce qu'il a dans le ventre en fait. Voilà, on va faire ça. Une petite touche comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment une petite touche. Mais c'est vrai que je trouve pas du tout le truc hygiénique, quoi. Bon. Ça date. Il date ce produit, hein. Franchement, je l'ai. Je sais pas si vous le connaissez, ma foi, mais en tout cas, il date vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, j'ai voulu pour couvrir un petit peu plus quand même au niveau. Bon, j'ai pas. C'est pas que j'ai des rougeurs énormes, mais. Voilà. Ça devait être une de mes teintes d'été, je pense. Ou alors. Hop. Bah écoutez, voilà. Il n'y a pas trop d'odeur, il n'y a pas de parfum entêtant, pas du tout. Alors comme j'ai pas mis de base qui va combler ou lisser la peau, bah on voit quand même. Mes pores, mais je me regarde et c'est un produit qui est très beau en termes de lumière. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un produit qui est très très joli en termes de lumière. Vraiment, c'est. J'avais oublié à quel point il était lumineux. J'ai pas d'effet de matière. J'ai toujours ma petite zone de sécheresse, mais c'est encore pire du coup
avec ce produit, forcément. Ce produit, maintenant, j'évite de le mettre parce que il faut vraiment que j'ai un événement qui m'oblige vraiment à garder le fond de teint très, très, très longtemps. Mais c'est vrai que sinon, il est très joli. Avec une base lissante, ça aurait été encore plus joli, je pense. Belle redécouverte. C'est surtout la lumière qui me transcende. J'avais oublié à quel point il était lumineux. Et voilà. Et voilà pour le fond de teint. Donc, je le rappelle, c'est le Milk Makeup, le Sunshine. Voilà, donc le teint rayon de soleil. De toute façon, ça, c'est vrai que ça porte assez bien son nom quand même. Mais il est très joli. Milk, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. Franchement, il est très très beau. J'espère que vous verrez quand même. Alors, un anti-cerne que je n'ai pas testé depuis fort longtemps. Je ne sais même pas si je l'ai déjà testé avec vous. C'est l'anti-cerne qui va avec mon chouchou d'amour de fond de teint, le Beskin. Focus, c'est bon. Ouais, le Beskin Ever. Donc, ça, c'est mon fond de teint chouchou avec le Rare Beauty. Et du coup, bah, j'avais pris avec, en fait, l'anti-cerne Sephora. Donc, le Beskin Ever, l'anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Voilà. Voilà. Et je l'avais pris en teinte 13, ma foi. Voyons. Ah oui, d'accord, j'avais oublié. Donc, c'est un embout qui est totalement plat, qui est totalement droit. Vous voyez, il n'y a pas de courbure ou quoi que ce soit. Alors, on va le tester comme je teste. Ouhouhou. Voilà. Pas un peu foncé, là. Mon Dieu. Il parle un peu foncé. Alors, je vais... Alors, moi, c'est vrai que j'ai une technique un petit peu particulière pour mettre mes anti-cernes. Je tapote pas, je smousse, je glisse. Je glisse tout simplement parce que je veux pas que ça soit trop couvrant. Je veux juste quelque chose qui... Après, je peux tapoter vers la fin, mais vraiment, je veux plutôt quelque chose d'hyper léger. Donc des fois, quand j'ai des anti-cernes qui sont de haute couvrance, bah moi non, je... Et je le concentre surtout sur le haut de mon cerne. Enfin, j'ai pas des cernes de folie, hein, franchement. Là, je pense que vous voyez mieux quand je l'applique de ce côté. Alors... faites attention si vous l'appliquez au pinceau et si vous en mettez trop, ça va faire les traces du pinceau. Chose que ça ne fait pas avec mon Revlon. J'en mets là, comme ça m'évitera de mettre une base à paupières. De toute façon, pour les yeux, j'ai pas de nouveauté. Je vais faire un truc hyper, hyper rapide. Jamais un truc aussi rapide. Donc voilà, je tapote et c'est vraiment un anti-cerne. Je sais pas si fini naturel. Bah, je trouve qu'il a un rendu lumineux. Alors je sais pas si ça vient du fond de teint. Alors, je sais pas, dites-moi. Mais je trouve qu'il a un rendu mais hyper lumineux. Couvrance totalement correcte. Franchement, oui, correcte. Moi, il ne me faut pas plus. Hein, même un peu moins, ça m'aurait allé. Mais là, voilà. Franchement, ça va. Mais très joli. Franchement, il est très beau. Je pense que j'avais voulu le prendre en teinte à peu près de ma carnation de peau parce que j'ai du mal des fois avec les anti-cernes qui sont plus clairs que ma carnation. J'ai
pas envie que ça soit trop blanc en dessous, trop lumineux. Là, c'est pile ma teinte, en fait. Vous voyez que c'est vraiment pile ma teinte d'anti-cerne, mais c'est... Mais il est lumineux. Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien, que ça soit... Alors, nous avons quelque chose de totalement supportable au niveau de la peau. Je ressens pas trop d'effet de matière alors que j'ai pourtant modulé. Bon, maintenant, on va mettre la poudre. Mais je sais d'avance que c'est pas une nouveauté, mais j'ai pas de nouveauté poudre à vous présenter, j'ai rien. Donc, je vais mettre la Cherry Blossom de chez Huda Beauty. Je suis sincèrement désolée pour celles qui et ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir. J'avais mis une alerte sur ma story à Instagram. Je vais y arriver. J'avais mis une alerte en fait et voilà. Des fois, je mets des alertes quand il y a des retours un peu comme ça. Je mets vraiment des alertes, donc allez sur mon Instagram, c'est la sphère de la vie. Voilà. Donc je vais, moi avec un gros pinceau, peu importe, l'anti-cerne, moi en général je le poudre avec mon... Oh, elle est divine cette poudre. Pour les peaux claires à sous-ton rosé, mais maman... elles sont bon. Alors vous avez bien sûr d'autres teintes, hein, ne vous découragez pas. Ça fait le même job, mais c'est vrai que elle a vraiment fait fort avec cette teinte. Je sais, je charge comme d'hab. Alors, ma peau est totalement matifiée, ma peau est totalement lissée. C'est de la magie, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment elle est géniale. Vraiment, si je vois qu'elle est de retour, je vais souvent voir. Hein. Franchement, je vous la mettrai bien sûr sur Insta. Donc, ne loupez pas mon Instagram. Hein. Franchement. Alors, un petit effet de matière juste ici, en dessous de ma lèvre, mais léger. Sinon, c'est good. Ça me fait un très joli teint. Redécouvrir des produits, c'est parfois sympa, je trouve. Et là, vraiment, vous avez un teint, mais enfin, je trouve qu'avec cette poudre, ça change vraiment la donne. C'est ouf quoi. Alors les sourcils, j'ai pas sorti le produit sourcil que je n'ai pas utilisé depuis fort longtemps, qui est un produit que, vous voyez, j'ai même oublié de sortir. C'est celui de chez Benefit, c'est le 24 heures bro 7 heures je crois. Moi, il est anglais, ça fait deux. Donc, je pense que vous le reconnaissez. Vous allez encore plus le reconnaître comme ça. Ouh, j'ai un petit poil bizarre. Voilà, la brosse, vous avez un côté qui est plus court que l'autre. Et c'est un produit qui est fixateur. Donc, en fait... J'allais faire une bourde. J'enlève. Il faut que j'enlève l'excédent de poudre et de fond de teint qui se sont logés dans mes sourcils. Moi, je fais ça au sens inverse. Vous voyez, je fais tomber. Après, je rebrosse. Et voilà. Donc, effectivement, il y en avait. Alors moi, je vais prendre le côté plus long. Ça ne fait absolument pas... ça sert à rien que j'essaye de faire un... Vous
savez, de les plaquer en arrière, c'est vraiment style de coiffer comme ça. C'est pas du tout un truc qui va faire glue, savon ou pommade qui va les plaquer en arrière. Rien de cela. Enfin, moi, je trouve, hein, personnellement, c'est histoire de les coiffer. Pour moi, c'est un truc de coiffage. Le produit sent très bon. Mais voilà, c'est vraiment un produit. N'essayez pas de faire quelque chose de bien relevé parce que vous allez vous mettre du produit sur le teint et ce sera pas beau. Je l'aime beaucoup ce produit, j'avais oublié. Il fait une forme de sourcil totalement acceptable. Donc j'aime beaucoup. Je pense que je vais le laisser sortir celui-ci, vous voyez. Alors, je vais juste un petit peu ranger ce que j'ai sorti, vous voyez. Parce que sinon, bah, je vais me perdre. Le fond de teint. Dire, j'ai toujours pas essayé avec vous la super bébé qui est sortie depuis un millénaire. Mais non, je n'ai toujours pas sorti ce produit. C'est ma foi. Alors, nous allons faire les yeux. Et les yeux, malheureusement, je n'ai rien de nouveau que je n'ai pas testé avec vous, malheureusement. J'ai rien de spécial. J'ai rien à vous... Non, j'ai absolument rien. Donc, on va partir sur la Clio. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressortie. Je l'aime beaucoup. C'est la Clio Atelier in Hammam. Donc, vous voyez les teintes. Moi, j'aime beaucoup ce petit violet que je vais mettre de toute façon. Je vais faire un truc, mais tellement rapide que ça va... Alors... Très, très rapide, voilà. Je vais prendre ce petit rose qui est ici. Le petit rose ici, là où il y a mon doigt. Et vraiment, je fais quelque chose d'hyper basique. Hein. Voilà. Je fais un espèce d'ombrage. C'est vraiment... hyper, hyper basique. J'y reviens quand même plusieurs fois pour que ça se voit. J'aime tellement les couleurs rosées de Corée. C'est vraiment pas les mêmes couleurs que chez nous. Je trouve qu'ils ont des couleurs totalement différentes que je surkiffe. Alors, on va faire le... Hop, voilà. Vous voyez hein, le type d'ombrage que j'ai fait, vraiment très simple. Il faut que j'enlève des sourcils du dessous là. Ça repousse trop vite. Oh! Des fois, j'ai l'impression que je passe ma vie à m'épiler. Je sais pas vous, mais. C'est hyper joli. J'aime trop. Franchement. Et je le mets avec le pinceau JM 33 de chez Morphe avec Jaclyn Hill. Parce que mes pinceaux habituels ne sont pas lavés. Je suis une grosse feignasse, je sais. Il est sublime, j'adore cette. Voilà. Je vais même en mettre un petit peu en bas, voyez, comme ça, léger. C'est trop beau. J'en remets un petit peu de ce côté. Voilà. Oh. Voilà ce que j'ai fait. C'est voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment un petit ombrage sympathique que j'aime beaucoup.
Maintenant, avec ma petite mimine, nous allons prendre ce magnifique violet que j'aime et qui fait tout. Vraiment, vous pouvez même porter, voilà, vous faites un petit ombrage comme j'ai fait. Et vous pouvez porter uniquement cette couleur. Voilà, qui est sublissime. Ça fait peut-être plus un make-up de printemps, j'ai l'impression. Mais bon, bref, je ne suis jamais les règles. Moi, c'est quand ça me plaît. Ça y est, ça coule. J'ai un peu touché mon œil, donc voilà. Voilà, pour ce côté-là. Voilà, alors déjà, vous voyez, pour ce côté-là. Il est sublissime, ce petit violet, non? Voilà. J'adore. Franchement, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'avais dû acheter cette palette juste pour cette couleur, en fait. Je vais en mettre un petit peu en bas, voilà. Parce que regardez, j'en ai. Je trouve que ça fait sympa. Voilà. Ça descend un petit peu en bas. Ça ne me dérange pas. Ça fait quelques petites paillettes, vous voyez en bas. Non. Ah, oh, c'est trop beau. Voilà. Il faudrait vraiment que je la ressorte plus souvent, cette palette, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Hop, range-toi comme il faut. Je vais vous montrer un petit peu mes yeux. Voilà, là. Vous voyez, j'ai un petit peu descendu les paillettes. Et voilà. Très simple. Des fois, il n'y a pas besoin de passer 1000 ans sur son make-up. Ça, c'est très rapide et très simple. Je vais maintenant faire mes sourcils, je veux dire. Oui, non, mes cils, excusez-moi. Avec un produit qui n'est pas ressorti depuis fort, fort, fort lointain. C'était mon mascara préféré, le Bad Galbang de chez Benefit. Je le trouvais sublime. Regardez la brosse, même elle est. J'ai un problème avec l'ouverture. Bref. La brosse est totalement fine. Enfin, il y a eu beaucoup de. Ça a beaucoup parlé sur ce produit-là. Je me rappelle. Il y en avait beaucoup qui n'aimaient pas. Il y en avait beaucoup qui aimaient ce produit. Donc, ça change. Mais il faut savoir l'utiliser. C'est vrai que quand vous le commencez, il n'a pas ce côté sec. Hein. Il a ce côté vraiment très humide. Donc forcément, vous pouvez très vite faire des paquets. Et ça peut vite devenir la catastrophe. Non, je me concentre quand je vais. Parce que. Voilà. Voilà. Alors. Est-ce que j'ai changé d'avis? Des fois, c'est bien, je trouve, de refaire cette petite session de produits qu'on n'a pas utilisé depuis. Oh, il est beau. Oh, merde. Credit, j'enlèverai avec le. Regardez. Il est très très beau. Là, ce côté-là et ce côté-là, j'ai rien. Ce côté-là, j'ai. Ce côté-là, j'ai rien. Il est vraiment très très beau. Wow. Moi, c'est ça que j'avais aimé. Le côté longueur, en fait. Vraiment, moi, c'est ça que j'aime surtout chez les mascaras. C'est pas forcément le volume. Moi, c'est vraiment le côté longueur parce que j'ai des cils de merde. Et. J'ai vraiment. Ouais, je me concentre, excusez-moi. J'ai fait une petite. J'ai vraiment. Ouf. Oh, mais je vais le ressortir, c'est pas possible.
Regardez ça. Oh, faut que je le laisse sorti. Parce que sinon, je vais l'oublier. Il est sublime, ce mascara. J'avais oublié à quel point il était sublime. Je vais attendre quelques instants. L'astuce, un petit peu, pour si vous voulez un peu que ça soit un peu plus... on va dire noir, que ça soit mieux courbé. L'astuce, c'est d'attendre que ça sèche un petit peu. Là, j'ai mis qu'une couche, hein, donc j'en mets que deux. L'astuce, voilà, c'est de le laisser légèrement sécher et pas complètement, hein, sinon vous allez faire des paquets. Mais... Oui, là j'ai peut-être même trop laissé sécher. Voilà, c'est de ma faute. Enfin, je sais pas ce que vous en penserez. Bon, après, si... Mais j'ai peut-être laissé un peu trop sécher le mascara. Mais vraiment, il est sublissime. J'ai pas de mots. Je vais le laisser sortir. J'ai des produits que je laisse sortir pour pas oublier justement ces produits. Parce que des fois, on a l'habitude de faire son teint comme à l'habitude. Et en fait, on prend toujours les mêmes produits. Donc, je vais attendre parce que le petit goupillon là, ça, il faut que j'enlève. Je sais pas si je peux le faire maintenant. Voilà. Je prends un risque. Tout le monde retient son souffle. Web, 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 web. Voilà. Alors, j'ai deux produits pour le bronzer et l'highlighter. L'highlighter blush. Que je n'ai pas utilisé depuis, j'ai envie de dire, peut-être 3 ans ou 4 ans. Alors, la version, donc, c'est un bronzer de chez MAC. Je voulais à l'époque le bronzer de chez Aladdin. Donc, c'était vraiment quand est sortie la collection Aladdin avec MAC. Donc, vous voyez, ça fait quand même fortement longtemps. Et c'était un bronzer trop, trop chaud pour ma carnation. Donc, je me suis rabattue sur celui-là. C'est le Sun Soaked Strip. Bref, c'était cette collection-là. Bon, malheureusement, qui n'existe plus. Mais aussi, si je vous ressors des produits, des... Bah, qui... Là, c'est vraiment, on est dans le thème de produits à l'ancienne. Vraiment, je l'ai quand même un peu creusé, vous voyez. J'ai beaucoup apprécié. Je le mettais aussi... En tant que combrage sur ma paupière. Mais franchement, il y a un miroir. Je l'aimais beaucoup, Et on va prendre... Parce que je n'ai pas de pinceau propre. Je suis flemmarde. La collection, on va essayer. Tiens, voilà. De chez MAC avec Stranger Things. Vous voyez, c'est un pinceau un peu éventail, assez épais. Pour le bronzer ou l'highlighter, c'est comme vous voulez. J'espère que j'en ai pas trop mis parce que, alors moi je me connais. J'essaie de me rapprocher de vous. Il est beau. Alors moi j'aime les bronzers subtils, hein. Vous savez que j'aime pas quand c'est trop marqué. Oula! On a dérapé. C'est pas grave. Je fais des petits mouvements circulaires. Même de ce côté, vous voyez. On arrive toujours pareil à une joue. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais j'arrive à faire une joue mieux que l'autre en termes de contouring. C'est bizarre. J'espère que la lumière elle est pas trop dégueu parce que le soleil commence à se coucher, il est tard. Il va être 7 h. Je fais des vidéos tard moi. Bon, je vais un petit peu quand même estomper.
Vite fait, hein. Après, c'est pas trop grave, hein. Écoutez. J'en ai mis là, oui, j'en ai mis. Voilà, donc je vous montre le résultat. Je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'il est très joli, j'aime bien. Je vous montre ce côté et ce côté. J'ai toujours un côté qui est mieux fait que l'autre. C'est pareil. Hein, pour... Je sais pas, c'est comme pour les yeux. C'est pareil avec les joues, là, au niveau du contouring en fait. Donc voilà. Mais franchement, il est joli. Mais c'est pour ça que je mets tout. En général, je mets le blush avant. Donc, on va un peu nettoyer ce pinceau. Et je vais mettre le blush avec ce côté-là. Pas le côté ici, mais le côté-là. Alors, c'est un blush de chez BK. Donc, vous savez que BK, c'est terminé. Mais apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ça serait relancé avec Wet n Wild. Je crois. Wet n Wild, si je dis bien correctement. Mais j'ai écouté Serago, mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc, voilà. Alors, c'est un bronzer que... Non, un bronzer. C'est un blush. Oh là là. Que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Vous voyez tout de suite, moi, j'aime les couleurs pêche, limite orangée. J'adore ça. Et il est lumineux, donc je ne vais pas mettre de d'highlighter. Alors, j'ai peur. Est-ce que... Pas trop mis. Il est beau, je m'avais oublié qu'il était joli comme ça. J'y vais doucement au début parce que parce que BK, c'est quand même intense, hein. Vous voyez à quel point c'est joli. Enfin, on a un glow en plus qui sort de ce blush assez intense. Je le redescends. Oh, comment j'ai mal contouré ce côté-là. Tant pis. Ça peut pas être parfait à chaque vidéo. Comme je le dis, ça serait pas drôle. Mais, le blush fait tout, en fait. Je le redescends légèrement parce qu'en fait, sinon, on voit qu'il y a une barre avec le bronzer. Pas grave, hein, je le redescends. Il est beau. J'avais oublié, mon Dieu. Ça me fait penser un petit peu à mes blushs crème, vous voyez. En fait, on a ce côté qui est frais, mais de malade. Alors, il faut que je le mélange vraiment avec le bronzer, sinon ça va faire un effet pas beau du tout. On essaie de se rattraper comme on peut. Voilà. Alors, je vous montre le résultat de plus proche. Voilà. Ça se passe de mots. C'est sublime. J'en ai peut-être mis la blinde. Oui, je sais. Mais moi, je mets toujours la blinde de blush. C'est parce que j'adore ça. C'est très beau. Mais ce que je peux faire, c'est passer un petit coup là où il y a eu ma poudre, en fait. Je passe un coup pour un peu estomper tout ça. Et comme ceci, voilà. Et voilà. Donc déjà pour le teint, je trouve que c'est pas mal du tout, franchement. Et je suis surprise pour le fond de teint. Je ne ressens aucune matière sur la... sur le teint, bah, sur la peau. Je ressens aucune matière. Ça va, il est vraiment... Il est très joli. Bah, pour avoir ressorti mes anciens produits, qui datent et datent et datent, mais très joli. Alors maintenant, je vais mettre un rouge à lèvres qui date, mais en fait, bah, je l'aime beaucoup, en fait, ce rouge à lèvres. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Alors, je ne suis pas sûre que ça aille avec mes yeux, mais on va, comme j'ai fait les yeux assez clairs, on va... pumpé sur le rouge à lèvres. Donc c'est
Bah, de la collection MAC avec Aladdin, je suis une fan de MAC en termes de rouge à lèvres. C'est pour moi un des meilleurs, donc voilà. C'est cette teinte-là qui est magnifique. Je vais vous la swatcher tout de suite. Voilà. Ça pimpe. Mais je crois qu'elle avait porté, l'actrice avait porté cette teinte dans le film. Donc, c'est parti. Alors c'est des teintes en fait, quand c'est des teintes vachement comme ça osées, c'est pas facile à mettre parce que c'est pour ça que souvent les nanas elles prennent un crayon. C'est vrai que j'y pense pas, je suis pas crayon du tout. J'ai un peu dépassé là. Écoutez, il a assez bien mis. Je vais peut-être faire une photo pour Insta, je sais pas. Voilà, une très belle teinte que je n'ai pas portée cet été. C'est trop dommage. Trop dommage. Alors, voilà. Voilà pour mes pépites, on va dire, pour mes pépites. J'ai quand même des très belles pépites là, je trouve. Je suis très admirative du fond de teint. Franchement, je ne pensais pas. J'avais une impression avant moins positive avec ce fond de teint. Mais finalement, j'ai un excellent teint. Bronzer, très joli. J'aurais pu en mettre un peu moins. Blush, sublime. Ça me fait penser à ces blushs crème, vous voyez, qui sont un peu mouillés et qui font cet effet frais, très très joli. La palette, ça se passe de mots, je l'adore. Donc, elle se trouve sur ma petite Corée. Un code promo, la sphère de la Ligue 15. Voilà, donc ça c'est pour vous, si vous voulez la choper. Le mascara, très beau. Le rouge à lèvres, très beau. Franchement. C'est des. Bah, je vais dire ça, des pépites oubliées, comme on va dire. Mais voilà, c'est très très joli. Franchement. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros poutous. J'en ai terminé. Je vais pas mettre de spray fixateur parce que de toute façon, je vais me maquiller juste après. Je vais me démaquiller. Ah! Je vais me démaquiller juste après. C'était juste pour faire la vidéo. Et j'ai vraiment des très bonnes pépites en fait que j'avais totalement oubliées. Et je trouve que ce genre de vidéo, c'est bien. C'est génial même. Donc surtout, abonnez-vous si le contenu vous a plu, vous a intéressé. Partagez, likez, commentez. Je réponds à tout le monde. Et voilà, je vous fais des poutous et surtout à la prochaine vidéo. Bye.